Spirit lead me on my way. Are you nice? Annyeonghaseyo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réagir à un cover dance de Royal Tigers Z. Je sais pas comment on prononce, Royal Tiger Z. Je sais pas du tout, donc dites-le moi en commentaire. Pourquoi je change d'accent, ok? Je reprends depuis le début. Aujourd'hui, je vais réagir à une performance de Royal Tiger Z, I don't know. Donc, c'est une performance de Everglow, Pirate et de Aespa Savage. Je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, on va réagir à ça. Donc, c'est une performance en public. C'est l'une de leurs vidéos qui ont atteint 16 000 vues. Donc, j'ai voulu regarder, voir un peu comment était la performance. Et bon, on va commencer tout de suite. Et voilà. J'ai pas trop quoi trop dire. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas une professionnelle de la danse. D'accord, je suis fan de K-pop. Ça fait maintenant 10 ans que j'écoute de la K-pop. J'en ai vu et revu des cover dance de K-pop. Mais après, je me considère pas comme une professionnelle de la danse, etc. Non, hein, pas du tout. On est là pour passer juste un très bon moment ensemble. Et ben, let's go, hein. On va voir. Je tiens à dire que tout ce que je dis, mes blagues, c'est à prendre au second degré, c'est pas vraiment au premier degré. Moi, je suis très dans le sarcasme, etc. Donc, bon, je suis vraiment dans le second degré. Donc, les personnes, les membres qui vont voir cette vidéo, prenez pas ça mal, hein, ce que je dis. Hein. D'accord? Des fois, c'est pour rigoler. Donc, on va rigoler tous ensemble. Je vais mettre en barre d'infos la vidéo originale, le lien en tout cas de la vidéo originale si vous avez envie de la voir. Et aussi je vais mettre le Insta et la chaîne YouTube du groupe. Voilà, donc c'est tout. Là je ne sais pas qui sont les personnes, je vois qu'il y a deux garçons, deux filles, je pense qu'ils sont à 5 ou 6. Donc on va voir et on va regarder ça ensemble et let's go hein. Après, des fois, moi, je fais des têtes bizarres. Faut pas croire que je juge, en tout cas. Et abonnez-vous aussi. Hein. J'ai oublié de le dire, mais pour moi, ça paraît naturel. Mais abonnez-vous. Ok, activez la cloche, laissez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Juste deux secondes. Je sais pas si c'est la qualité qui est comme ça ou pas, mais... On va monter plus haut les gars, parce que là je vais monter à 1080, mais je vois pas de différence. Hein. Donc je suis désolée, je sais pas si c'est la qualité qui est comme ça, mais là j'ai monté à 1080p, c'est le maximum, donc on va regarder ça, hein, y a pas de souci. En vrai, on rigole, mais ce qu'ils font là, moi, niet, zéro. La performance, franchement, il y a beaucoup d'énergie. Je vais faire, au début, je vais commenter, au milieu, je vais commenter. Enfin, je commente quand je pense que j'ai besoin de commenter. Donc, Royal Tiger Z. Moi, je dis Z, sorry, je sais pas. Franchement là pour l'instant il y a beaucoup d'énergie, vous êtes bien coordonnés, tout le monde fait à peu près les mêmes gestes au même moment. Après c'est vrai que forcément c'est pas raccord tout le monde tu vois, mais au moins vous avez la même énergie tout le monde, du coup ça c'est très bien. Mais après j'ai mis pause à un mauvais moment hein, la meuf là. Je suis désolée, je sais pas qui tu es. Attendez, hein, je désactive le wifi parce que sinon
En tout cas, c'est super pour le moment. C'est super, j'adore. Il y a juste le bougre devant qui gêne. Pas que moi, mais il y a des filles juste en arrière-plan, à côté de ma tête, là, je pense. Elle était en train de l'insulter, sa génération entière, je pense. On continue. Bon! Que dire, les amis? Les amis, ce que j'ai à dire par rapport à tout ça. J'ai vu un peu la performance, d'accord? Super, super, y a rien à dire. Les outfits sont magnifiques. Et j'ai l'impression que je suis un peu hypocrite avec. Bref, mais après, là, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Franchement, il y a beaucoup de puissance de tout le monde. Les outfits sont magnifiques. Le regard caméra par rapport au mec devant là, les eyes contact, ils sont fabuleux. Ça se voit que c'est un peu, tu vois. Bref. Mais sinon, franchement, j'ai vraiment rien à dire. Hein. Enfin, à part ça, très bien, beaucoup de puissance. Après, je comprends pourquoi ils ont gagné aussi à la Cité Geek la première place. Donc, ouais, ça, ils ont beaucoup de powerful, de power. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, ils sont incroyables. Bon, je pense qu'on en a assez regardé pour cette performance. Je vais pas tout regarder parce qu'après, bon, écoute, ça va me prendre 3000 ans. Ils ont fait Aespa aussi. Du coup, je veux voir Aespa, moi, du coup, et on va passer directement à Aespa. Je sais pas si on dit Aespa, Aespa. Attends, non, oh my god, et la vérité, j'ai eu des frissons. La vérité, je vous jure. C'est tout, la deuxième fille là, avec les chaînes là. Genre, j'étais fixée sur elle et tout. Et je regardais tout le monde, et après, ça fait gimme now. Et j'étais là en mode wow, genre, elle a. Waouh! Waouh, là il y a tout, il y a tout, il y a le charisme, il y a le corps, il est en mode waouh, j'en perds mes mots, mais vraiment j'ai eu des frissons. On continue, on continue. Thank you.
Attends, j'ai l'impression qu'ils sont en train de laver le sol là, du coup on va monter un peu. Parce que je pense que je vais déranger là. Comme d'hab. Let's go. Je vais vous dire les choses clairement et ce que je pense. Comment dire, c'est très bien, il n'y a pas de souci niveau coordination, balance. Je sais pas si vous avez la ref de balance, mais si vous avez la ref, on se connaît. En tout cas, il y a une bonne coordination. Voilà, les outfits, c'est magnifique, ça match hyper bien. Tout le monde danse avec une puissance très bien, parfaite. Il y a juste un seul souci que je vois et qui me dérange un peu, mais après, c'est pas, je comprends hein, que voilà. C'est il y a beaucoup de vent et ça se voit parce que par rapport au son, par rapport à la caméra, ça se voit. Après, bon, hein, je vais revenir sur certaines choses. Je sais que je connais pas les conditions, patati patata, oui, dans quelles conditions vous étiez, je connais pas. Ok, d'accord, je suis consciente, mais moi je vois maintenant, now, tout de suite. Moi je suis pas là pour réfléchir à s'il y avait ça, s'il y avait le Covid, s'il y avait le feu, s'il y avait le cyclone, les tempêtes. Non, moi voilà, on va être voilà, on va être clair, net et précis là-dessus. Juste le petit son de vent, ça me dérange un peu, mais après, bon, vu que le groupe de danse, lui, il est tellement powerful, parce qu'à un moment donné, tu fais même plus le rapport, même s'il y a du vent et tout, du coup, ça c'est bien, tu vois, c'est que ils ont réussi à me faire, enfin, à me faire prendre conscience que je dois faire abstraction, pardon, du vent, donc c'est super. Et oui, juste ça, après, si, peut-être la prochaine fois. La personne qui fait le montage, si tu vois cette vidéo, est-ce que tu pourrais mettre la vraie musique en fond? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Franchement, moi, j'aime beaucoup ça, d'accord? J'aime en fait quand il y a le bruit du public, mais quand il y a la vraie musique dans le fond, tu vois. Et pas comme ça, hein, mais la vraie musique sur la vidéo, tu vois. Je te parle comme si tu me regardes. Je suis désolée. Mais après, moi, je dis ça comme ça, hein. Si vous voulez laisser comme ça, il n'y a pas de souci. C'est très bien comme ça aussi. Et je ne suis pas là pour dévaloriser les vidéos ou les personnes ou les groupes ou les monteurs. Parce que je sais aussi que c'est un très gros travail de faire le montage. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais en tout cas, moi j'aurais bien aimé que la musique soit en arrière-plan aussi. En même temps que celle... T'as capté? Je finis pas mes phrases, c'est énervant, mais je sais. Donc voilà, en tout cas, c'est super. C'est super, j'aime beaucoup. Beaucoup de puissance. J'arrête pas de répéter ça, à un moment donné, ça va vous saouler. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié regarder bah, ça avec moi. Et j'espère que vous avez apprécié mes petits commentaires aussi. Hein. Et comme je le dis souvent, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas une danseuse, mais je suis beaucoup, je regarde beaucoup de covers parce que j'adore ça, donc je vais chanter pour vous. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Franchement, Maniac aussi, il est pas mal en vrai, hein. J'adore Stray Kids, donc on va aller sur Maniac. Je suis désolée, mais Stray Kids. Everywhere on the world. Donc, les amis, on se retrouve avec un cover dance. Un dance cover, je sais pas moi, je dis l'inverse. Un cover dance de Royal Tiger Z. Je sais pas, c'est Z ou Z, je sais pas. On se retrouve avec un cover dance de Stray Kids Maniac. Je vais encore me faire strike sur YouTube parce que j'utilise des vidéos avec des droits d'auteur. Mais bon, c'est pas grave, hein. Écoute, quand t'es fan de K-pop, c'est des risques à prendre. Et quand t'es créatrice de contenu réagissant aux musiques de K-pop et aux cover dance, c'est des risques à prendre. Allez, on va continuer. On va continuer. Donc, let's go.
Il n'y a pas Clarisse. Hein. Il y a pas à tomber comme ça. Bon. Je vais gueuler encore. Hein. Il n'y a pas à gueuler comme ça, Mylène. Hein. Pourquoi? Pourquoi t'es comme ça, baby? Pourquoi? C'est bon, là. C'est bon. C'est bon. Il y en a assez fracté. Bon, le monteur ou la monteuse. Super. Super boulot. J'adore. Oui, il faut valoriser les personnes qui font le montage aussi, hein, pas les personnes qui dansent seulement. Hein. Bon. Bon. Très bien. Très bien. Très bien. Let's go! Très bien. Très bien. Très bien. Très. Très bien. Et vous allez dire que je les sauce. Je suis désolée. Les expressions faciales. La puissance. La coordination. Le vidéastre, le focus, la groupe, focus, groupe, j'adore, 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 j'adore. En plus, ça sent que, désolée mademoiselle, je sais pas pour la pause, je suis désolée, mais tu vois dans leur manière d'être, Stray Kids, you know Stray Kids, ok, on est là, on est in. On danse, on est Stray Kids, d'accord? On fait pas un cover de Stray Kids, on est Stray Kids. Outfit, les outfits. Wow. Les outfits. J'adore, J-A-D-O-R-E, j'adore, on sauce, c'est ça les gars, c'est ça. Après, il y a d'autres groupes de K-pop aussi dont je vais réagir, d'accord, mais là pour l'instant, le Royal Tiger Z, Z, moi je dis Z ou Z, je sais pas, j'ai peur. Bon, Royal Tigers, voilà, je dis Tigers, comme ça, j'adore. J'adore continuer comme ça, continue de saucer comme ça, les gars. Oh, j'adore les outfits. Je disais les outfits, c'est très important. Incredible, ça m'a même. Oh, c'est incroyable. C'est long, hein. C'est long. Comme les trois vidéos que je viens de voir là. Même pas, j'ai vu deux vidéos, mais c'est trois chansons. Donc, ouais. Oui, du coup, on en a terminé pour les covers d'aujourd'hui. J'ai très apprécié les covers car, franchement, vous avez vraiment cette puissance que j'attends des covers. Surtout Stray Kids, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement. Et Don't Stay, d'accord.
Incroyable. Franchement, je pense que j'ai tout dit. Je vais pas me répéter 1000 fois. Allez saigner la chaîne YouTube de Royal Tigers, qui sont un groupe qui se situe à l'île de La Réunion. C'est un groupe ben local, 974, on va dire. Leur Insta, la chaîne YouTube ainsi que les liens des vidéos que j'ai regardées dans cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié de passer ce petit moment avec moi. Moi, j'ai surkiffé d'avoir fait cette réaction. Et j'espère que j'ai pas été trop méchante en tout cas. Mais après, voilà, vous savez comme moi, je suis honnête. Et s'il faut dire les choses, je dis les choses, même si je suis pas professionnelle. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une très prochaine fois pour... On se retrouve une très prochaine fois pour une prochaine React. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oublie pas de laisser un petit commentaire et surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Ciao, ciao!